Bonjour à tous, c'est Jean-Baptiste Goblet. On est là pour les awards, les récompenses de la série de Sky 7, la nouvelle série qui a été faite pendant 2 mois pendant le confinement. Et quand on parle des plus beaux effets spéciaux, mais rien de mieux que de tomber dans cette vidéo-là pour vous montrer qui a remporté cette catégorie. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Alors, dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux, la grande gagnante est Charlène Dufort. Merci Vincent et bonjour à tous. Alors dans la catégorie plus beau décor de cinéma, le gagnant est Nicolas Sébès. Bon, mais merci beaucoup, merci à tous. Merci à toi Thierry de me remettre ce magnifique prix du plus beau décor. Voilà, je suis très ému. Voilà, bon, mais comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de m'apprêter pour respecter un petit peu tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, on essaie de faire les choses correctement et Bonjour à tous, merci Vincent. Les vainqueurs dans la catégorie meilleure activité sportive sont Lucie Vanier Cua et Brandy Cazorla. Merci beaucoup à tout le monde. Donc c'est vrai qu'on est très ému de recevoir ce prix pour les meilleures activités sportives. Voilà, nos familles, nos amis, tous les gens qui ont participé à cette victoire. Donc voilà. On vous remercie tous et on vous fait plein de bisous. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Donc je te remercie tout d'abord pour l'invitation à la cérémonie des Oscars de quand on finit la série. Donc j'ai regardé ça de près et je félicite tous les participants parce que c'était vraiment top, j'ai vraiment bien rigolé depuis mon portable, depuis ma maison. L'Oscar que je dois décerner, c'est celui de meilleur réveil. Donc j'ai l'enveloppe ici, le nom du vainqueur. Donc je vais vous dire ça de suite. Et le vainqueur, ou plutôt la vainqueur, c'est Charlotte Torres. Donc je te félicite et je te demande de venir sur le podium pour un petit discours. Voilà, et récupérer ton Oscar. Bon ben salut à tous, on s'est mis sur nos 31. Ah moi je suis au top. Et ben, on voulait remercier d'avoir annoncé notre prix, à Vincent aussi. Ah oui, et vous voyez tous que je vais nettement mieux. Je suis honorée de remettre un prix pour Oshkadi 7 dans la catégorie Jeff Tuche. Donc le gagnant est Maxime Ferré. Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup Pauline Bourdon pour cet Oscar. Je tiens à remercier Shkadi 7 de m'avoir permis de tourner cette journée qui était un réel régal. Je tiens à remercier aussi ma mère qui m'a trouvé tous ces déguisements. Je ne sais pas à quoi ça va servir. Bon, apparemment, elle va me faire gagner un Oscar. Retrait à Romain Grange. Celui-ci ne se pose pas de questions pour une superbe frappe, l'égalisation nancéenne à la 21e minute. Un but partout entre Nancy et Lille. Bonjour à tous, le vainqueur dans la catégorie le meilleur second rôle est le papa de Charlotte Thor. Merci. Alors on est là pour les remerciements. Alors déjà merci de nous avoir élus. Ah bah c'est super, et encore merci à toi vraiment. Ah merci, merci, on a dit merci. Merci à Je sais tous. pas si on a dit merci. Ah mais... Pour remettre le prix, un joueur, on va dire assez connu, demi-mêlée du 15 de France, demi-mêlée du RC Toulon. Ancien joueur de l'UBB, donc pas besoin de présenter plus que ça. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Pour le résultat du premier prix, j'ai le plaisir d'annoncer la gagnante, Marie Gourgue. Bonjour à tous. Dans un premier lieu, ben, vous remercier de m'avoir élu la meilleure affiche. Je tiens à féliciter un peu tous les joueurs et toutes les joueuses qui sont prises au jeu et qui ont pu exprimer leur talent
d'acteurs qui était assez remarquable. On a vu de très beaux scénarios et je suis là pour ça. Je suis là pour remettre le prix du meilleur scénario. Donc le gagnant pour le meilleur scénario est Cindy de Abreu. Je tiens à vous remercier pour la nomination du meilleur scénario avec ma mère. Attends, donne-moi ça là, t'en vas voir. Hein? Ah ouais, c'est bon, ouais, partez. Donc, vous avez bien compris que c'est ici que s'achève cette première saison de Confiner la série, en espérant qu'il n'y en ait pas une deuxième, surtout pour vous. Merci alors. Merci beaucoup, allez, ciao. Ciao et merci. I wanna love you every day.